Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une application de jeu qui va vous permettre d'entraîner votre mémoire. Pour cela, nous allons télécharger une application qui fonctionnera soit sur smartphone, soit sur tablette. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le Play Store. Donc moi, il se situe en bas de mon écran, donc c'est ce triangle coloré. Une fois dans le Play Store, vous avez tout en haut « Rechercher des applis et jeux ». Je vais cliquer dans cette barre et on va rechercher « Entraîne ton cerveau ». Et on va pouvoir lancer la recherche avec la petite loupe qui se trouve en bas à droite de mon écran. Donc nous allons installer « Entraîne ton cerveau, jeu de mémoire ». Donc, je clique dessus. Vous avez une présentation du jeu qui vous est faite. Et on va pouvoir cliquer sur « Installer ». Suivant votre connexion Internet, le temps d'installation peut demander plus ou moins de temps. Une fois l'installation faite, vous pouvez cliquer sur le bouton vert « Ouvrir ». Mon application s'ouvre. Il vous est demandé d'accepter les conditions d'utilisation et la page d'accueil du jeu se présente de cette manière-là. Vous avez plusieurs petits jeux qui vous sont proposés. Si je clique sur le premier, par exemple, vous avez une présentation qui vous est faite pour savoir comment jouer et ce qui vous est demandé dans la partie. Une fois que vous avez compris la règle du jeu, il vous suffit de cliquer sur la croix qui se trouve en haut à droite. Vous avez différents niveaux. Bien évidemment, plus vous allez avancer dans les niveaux, plus ça va être compliqué. Donc moi, je clique sur le 1 parce que je suis au niveau 1. Je retiens les paires et je vais pouvoir cliquer sur les cartes pour faire apparaître les différentes paires. À chaque niveau, vous avez plusieurs parties. Donc, je fais apparaître le chien, les canards et l'oiseau. Donc, je retiens encore les cartes qui me sont demandées. J'ai réussi le niveau 1. Mon score est indiqué. Si je clique sur la flèche verte, je vais jouer le niveau 2. Si je veux changer de jeu, je peux cliquer en haut à gauche sur les 9 petits carrés dans le cercle blanc. Nous utilisons une application qui est gratuite. Donc, en contrepartie, vous avez de la publicité. Vous n'avez pas possibilité de masquer ces publicités. Dans ce cas-là, si on veut un jeu sans aucune publicité, il faut prendre un jeu qui soit payant. Quand j'ai ce type de publicité, là, il va me suffire de cliquer sur « Fermer ». Je reviens aux différents niveaux sur le jeu « Paire de cartes ». Si je veux changer de jeu, je fais la petite maison. Je ne vais pas vous présenter la totalité des jeux, je vous laisse les découvrir, mais la logique et le mode de fonctionnement sera le même pour tous. Vous avez ensuite, tous les jours, un défi quotidien. Le défi quotidien, ça va être 4 jeux différents et de niveaux différents. Donc, si je fais commencer, donc là, il m'indique que le premier jeu va être paire de cartes. Je vais pouvoir faire jouer. Ça se complique. Donc, j'ai fini pour cette première partie. Il m'indique mon score, je peux faire la flèche verte. Nous avons une nouvelle publicité. Alors là, la publicité, elle a une apparence différente. C'est-à-dire que vous avez un timing qui se trouve en haut. Je ne peux pas enlever cette publicité tout le temps que le timing n'est pas passé. Donc là, il faut que j'attende jusqu'à
ce qu'une croix apparaisse pour pouvoir fermer la publicité. Donc, le temps est écoulé, j'ai bien la croix qui est apparue en haut à droite, je peux cliquer dessus et je vais pouvoir passer au jeu suivant de mon défi quotidien. Bon, je ne vais pas tout faire sur le défi quotidien, me regarder jouer, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Le mieux, c'est que vous, maintenant, vous puissiez essayer ce jeu et vous allez vous faire votre propre avis. Alors, je vais quitter le jeu, donc je sors et je ferme, juste pour vous montrer que à l'installation, pour pouvoir retrouver ce jeu pour y jouer ultérieurement, il me suffit de faire défiler mes écrans et l'icône du jeu s'est bien installée sur mon bureau. Donc il me suffira de recliquer sur cette icône pour refaire une nouvelle partie. Quand vous fermez le jeu, il garde bien en mémoire où vous en êtes arrêté sur les niveaux. Nous en avons terminé sur ce jeu. Je vous en présenterai un autre demain. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.